Volkswagen ouvre les commandes de véhicules électriques ID.4 et 5 améliorés avec une autonomie plus longue et une nouvelle technologie logicielle. Le constructeur allemand avait que les véhicules électriques ID.4 et 5 améliorés incluent un nouveau moteur électrique avec jusqu'à 60 kW de puissance de plus que la version précédente. Batterie de 77 kWh permettant une plus grande autonomie sur les deux modèles. Un moteur électrique de 210 kW est utilisé dans les propulsions ID.4 Pro et ID.5 Pro contre 150 kW. C'est pas mal, ouais la vache, ça va envoyer. Volkswagen affirme que la puissance délivrée est améliorée dans toutes les situations avec un coût supplémentaire de 75%. C'est énorme. On passe de 310 à 545 Nm. Grâce à l'unité améliorée, le SUV électrique ID.4 peut atteindre une autonomie 2 LTP jusqu'à 550 km. ID.5 jusqu'à 556 avec une charge complète. Les véhicules électriques phares sportifs ID.4 GTX et 5 incluront une puissance système de 250 kW, ce qui représente une augmentation de 30 kW par rapport au modèle précédent. En conséquence, les GTX peuvent atteindre le 0 à 100 en 5,4 secondes. Le modèle ID.4 basé sur Volkswagen reste le même avec un moteur 125 kW. Ouais d'accord, alors par contre l'amélioration de la version Pro, c'est 60 kW, c'est quand même énorme par rapport à la version GTX qui gagne que 30 kW au final. Donc il n'y a même pas beaucoup de marge, il n'y a pas beaucoup de différence entre la version GTX encore une fois et la version Pro. Volkswagen a également amélioré le cockpit avec un logiciel plus rapide et plus intuitif doté de fonctionnalités supplémentaires, en espérant qu'il y ait moins de bugs. ID.4 et 5 améliorés sont dotés de série d'un nouvel écran de 12,9 pouces contre 12 pouces auparavant. Ouais, l'écran a l'air sympa, assez net, bonne définition. Il présente également une nouvelle structure de menu, un cockpit numérique amélioré et un affichage tête haute en option. Volkswagen a inclus plusieurs autres nouvelles fonctionnalités, notamment la clim éclairée et les curseurs tactiles de contrôle de volume, ainsi qu'un volant multifonction doté d'une nouvelle logique de fonctionnement. C'est quand même un gros stylage là. Un assistant vocal amélioré, je m'étouffe, suite à toutes ces nouveautés. Un assistant vocal amélioré peut répondre aux commandes avec plus de précision et de nouvelles fonctionnalités telles que les informations météorologiques, les événements sportifs ou les infos boursières. Système audio amélioré également, 10 haut-parleurs 480 watts. La capacité de recharge de courant continue a également été augmentée de 135 à 175 kW, permettant une recharge plus rapide. Environ 178 km récupérés en 10 minutes. La version de base ID.4 pure, batterie 52 kWh, est désormais proposée avec une capacité de recharge de 115 kW contre 110. Oh, ça change pas grand chose, pour être honnête. La nouvelle gestion de la charge et de la température sur le modèle amélioré garantit que la batterie est préconditionnée avant d'arriver au prochain arrêt de recharge. Les prix commencent à 40 335 €. Les prix sont identiques. Aux US, ID.4 2024 avec la batterie de 82 kWh a également reçu plusieurs améliorations majeures, notamment plus de puissance, d'autonomie et technologie. Les prix des modèles américains devraient être plus proches du lancement. Et B, Volkswagen ils font un gros effort de restylage. Je pense qu'ils s'alignent sur Tesla. De toute façon, ils voient que Tesla a le vent en poupe. Donc ils essayent par un restylage de revenir sur eux au niveau des ventes, mais c'est pas gagné quand même, c'est pas gagné du tout. Bon, je referai une vidéo si on a les prix détaillés de tout ça, avec les finitions détaillées, etc. Bon, en tout cas, c'est du positif, pour l'instant, c'est pas mal. Qu'en pensez-vous ?